Regarde. Regarde. C'est bon là que maintenant regarde. Regarde, regarde. Regarde là, toute cette team. Wow. C'est fini là. Oh, ça a tapé. Oui, j'en ai un. Il y en a un. C'est quoi, c'est pas un blague? Oh, j'en ai un. Je sais pas si vous le voyez nager, mais il nage trop bien. C'est une dinguerie. J'essaie de vous remonter à la surface là. J'ai cru. Voilà, j'ai un protège-hameçon. Oh, ça a tapé. Oui, j'en ai un. Il y en a un. C'est quoi, c'est pas un blague? C'est quoi ça? Oh, la perche! Oh, le enculé, le steak! Oh, la dinguerie! Oh, bah, j'ai mon record là! Oh, regardez-moi ça, les gars! La perche, mais immense! Oh, la dingue! Oh bah alors ça, oh la dinguerie les gars, le leurre maison, il a fonctionné à merveille et pas sur n'importe quoi. Regardez-moi ce steak que je viens de prendre avec le magnifique Gino Bait, appelez-le comme vous voulez, c'est une tuerie. Cette grosse mémère, sans tomber à l'eau, hop, ça y est, elle est repartie. Oh, ça retape, oh c'est des petites perches. Oh, c'est des petites perches qui me tapent dessus. Incroyable. Des perches qui sont aussi grosses que le leur. On va revenir à la moustique. Hein. On va revenir à la moustique après. Hein. Petit récap de ce qui s'est passé au bout de l'étang là-bas, j'ai refait une très grosse perche. Malheureusement, elle se décroche vraiment sur le bord. Elle est tombée dans l'air, mais elle est repartie à l'eau presque aussi vite. J'ai pas eu le temps de la choper. Et j'ai eu pas mal de tapes aussi vers le milieu de l'étang. Alors, j'ai eu aucune trace de brochet sur le leurre. Donc je suppose que c'est des perches que j'ai tapées. J'ai vu pas mal de perches à plusieurs endroits. Donc du coup on va sortir la petite moustique. On va quand même continuer à garder la casting pour faire du brochet, voir si on arrive à en taper. Là on est monté en gamme. Putain, elles sont vraiment des couleurs super pâles quoi. Je sais pas ce qui explique cela. C'est le froid qui fait ça, mais pourtant hier j'ai pêché. Les perches étaient bien rouges au niveau des nageoires, là c'est plutôt orange. Je sais pas, dites-moi ça en l'espace commentaire. Hop, allez, nôtre. On va l'acheter dans les branches là. Oh, c'est plus beau ça. Oh oui, ça c'est plus beau ça déjà.
Hop là. Aïe. Ah, elle est belle celle-là. Il y a de jolies perches. Là, je pensais pas. Je viens pour le brochet. Ça finit à la perche. Oh, le beau steak. Oh, celle-là aussi, elle est belle. Hein. Ah, celle-là aussi, elle est franchement sympa. Je sais pas combien elle fait, mais... Ouais, elle doit faire 26, 27 peut-être. Quelque chose comme ça. Une autre très, 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 très belle perche. Au rock vibe. Hop, allô. Oh. Ah, je l'ai vu arriver du bord à l'attaque, elle était magnifique. Elle était pas très grosse celle-là, mais... Putain, par contre, mon leurre il est complètement déchiré. Putain, les perches sont actives. C'est pas le cas des brochets. Je sais même pas s'il y en a réellement, en fait. Je vous dis, les défilés qui ont été posés... Il y a eu des brochets malades, il y a eu tout un tas de... Voilà. Et hop, là voilà. Et calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je te libère. Oh, voilà la perche. Au revoir là, eux, ça faisait longtemps. Ah. Allez, calme. Calme-toi. Oh, bien fraîche. Oh, c'est pris. Bon, c'était pas la perche que j'attendais, mais. C'est toujours une perche. Hop. Deck. Oh, il y a un chien là. Attends, faut pas qu'il s'accroche dans ma canne, l'artiste. Bonjour. Il n'y a pas de soucis. Je crois qu'il était plutôt pour la canne. Il y a encore le lore qu'au bout avec l'hameçon. S'il se piquait. De rien. Merci. Est-ce que vous croyez les gars que je peux rentrer? Vu que la demoiselle m'a souhaité bonne pêche. Ah! Pote, pote, pote. Non, me dis pas que c'était pas en train de rec. Non, me dis pas que c'était pas en train de rec. Bon, je viens de faire cette perche. Après qu'une demoiselle qui promenait son chien m'ait souhaité bonne pêche. Et ben voilà. Mais c'est de la connerie les gars. Regardez ce steak. Bonne pêche, ouais. C'est bon là que maintenant regarde. Regarde, regarde. Regarde là, putain. Putain, j'ai pas la rec. Mais je suis dégoûté. Oh là 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 là. Mais j'ai la poisse jusqu'au bout en fin de compte. Où ça caillasse. Aïe. Oh oh oui. Oh la belle perche encore. Non elle est décrochée, putain, on aura le cul. Je la décroche au moins 5-6. Hein. Voilà. Voilà.
faut venir chercher par soi-même. On va venir chercher par soi-même. Ah putain. Ah, ça flotte. Ah, ça y est. Putain, dans le chiotte. Plein le cul. J'ai un poisson. Ah bah oui, j'ai un poisson. Mais putain, il est tellement petit, frérot, je me suis posé la question de ce que c'était. Non, mon gars. Faut arrêter de vouloir manger aussi gros que toi, sérieux. Regarde-moi ça. Mais là, il dit, il fait un tiers de ta taille. Tu es minuscule. Allez, va-t'en. Oh, décroché encore, non, mais non. Allez, viens de prendre. Oui, oui, voilà. C'était pas ça qu'a tapé juste avant. C'était pas cette mini-crotte, moi je te le dis. Mais viens là. Non, 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 c'était pas cette mini crotte là. On va là-bas. Oh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là. Ils annonçaient pas de pluie, putain. Oh putain, j'ai eu peur d'une feuille, gros. Allez, ramène-moi un steak, s'il te plaît. Les steakos. Allez. T'inquiète, je te remets à l'eau, je te bouffe pas. Oh la vache, ça se m'a tombé encore plus. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Oh, c'est beau ça. Ah non, c'est pas beau. Putain, par contre, ça m'a mis une sacrée touche. What? Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah, elle avait bouffé un autre poisson. Qu'elle a recraché. Incroyable. Incroyable, Morphal. Allez, bzou, dégage. Bon, on va essayer avec la grosse canne. Tant que ça se calme. Si ça veut se calmer, là. Oh merde, oh merde, je viens de faire une emmêlade. Oh, fais chier. Oh là là. Putain. Oh là 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 là. Oh putain, mais c'est pas vrai. Et puis là, comment il s'est emmêlé là? Oh mais merde, mais putain, mais... Hey, je suis un zgeg, la tête de ma merde. Oh. Oh ah, j'en peux plus. C'est bon là que maintenant, regarde. Regarde, regarde. Regarde là, toute team. Wow. Wow, 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 wow. Ça va, c'est fini là. Putain, je vais pouvoir me prendre une branche sur la gueule. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Eh
Calme-toi. Oh, au pire, les branches sont pas très grosses. Ah putain. Film de cul. Faudrait que je m'en mêle. Je m'en mêle entre deux cannes, frère, je sais pas comment. Je suis impressionné du nombre de perches qu'il y a ici, quoi. Premier degré. C'est ici qu'il faut le faire concours. Hein. Oh, oh, oh. Oh. C'est encore une micro-merde qui a mordu. Regarde, je la vois, là, la surface. Regarde. Regarde. C'est la taille du leurre, moi. Oh, c'est un peu plus gros ça. Ça sent. Merde. Mais bien là. Mais arrête de bouger. Putain, elle a même pas de rayure celle-là. Putain. Ouais, j'ai un poisson. Oui. Oui, j'ai une perche, oui. Je suis. Mais littéralement bluffé du nombre aïeux de perches qu'il y a ici, quoi. Putain, incroyable. Incroyable. Vraiment. Vraiment, vraiment. Oh. Oh, c'est le micro-perche encore. Qu'est-ce que c'est, cool. Oh. Allez, prends. Voilà. Hop. Petite encore. Petite, petite, petite. Bon, fin de petite session. Et ben, on n'aura pas fait de brochet encore une fois. On aura fait des perches. Alors ça, je m'y attendais vraiment pas. Parce que d'habitude ici, c'est pas une zone où il y avait forcément des perches avant, en tout cas. Il y a plutôt du brochet. Bon là, le brochet, on l'a pas touché. 3e, 4e, 5e, 6e, je sais plus, de lancer très tôt dans la session sur un gros leurre en plus, sur une grosse perche. Alors là, ça fait super plaisir. Après, je me suis dit, bon, on va peut-être continuer à essayer de chercher de la perche. Et puis au final, on a sorti de très très jolies perches. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et ça fait plaisir, le Dino Bait, il a sorti une perche magistrale de 34 cm. Donc voilà, le leurre fonctionne bien, ça fait plaisir, en tout cas la nage elle est top. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.